ben, Dame Nature savait plus quoi faire. Oh, bah, Dame Nature. Ben, c'est la dame qui s'occupe de la nature. Et la Dame Nature, elle savait plus quoi faire. C'est que du temps dont je te parle, faut dire quand même que c'était n'importe quoi sur cette terre. Tout le monde habitait partout, partout et nulle part à la fois. Les hommes, les animaux, ceux qui marchent, ceux qui courent, ceux qui rampent, ceux qui creusent, ceux qui volent, ils habitaient tantôt ici, tantôt là, et quand ils se déplaçaient d'ici à là, ils poussaient ceux qui étaient là, qui s'en allaient ailleurs encore. C'était n'importe quoi, alors forcément, c'était la zizanie. La zizanie, ça veut dire que ils s'entendaient pas bien tous quand même, hein. Alors Dame Nature, un jour, qui ne savait plus quoi faire, Dame Nature les a réunis en un grand cercle. Alors t'avais les rampants, les marchands, les grimpants, les creusants, les volants, et puis les hommes. Là, dans le grand cercle. Et Dame Nature leur a dit, ça peut plus continuer comme ça. Ah bon non, hein, maintenant ça suffit. Il faut que chacun ait sa place quand même. Vous avez bien une idée de là où vous voudriez habiter quand même. Et ils ont tous réfléchi. Et le ver de terre a dit, moi, j'aime bien être sous la terre. Eh ben voilà, dit Dame Nature, t'as pu être sur la terre. Hein. Pas compliqué quand même. Hein. Le singe, lui, tu sais ce qu'il aime? Le singe, il aime grimper à l'arbre, après d'une branche dans une autre branche, dans une autre branche. Eh ben voilà, lui dit Dame Nature, c'est pas compliqué, t'habiteras dans les arbres. Hein. Ben quand même, alors. Il y avait un puma. Tu sais, un puma, c'est noir, un puma. C'est comme un gros chat. Mais enfin, si tu le vois, ah ben, tu le caresses pas. Faut se méfier des gros chats noirs de puma qui habitent dans la forêt, au fin fond sombre de la grosse frenaison. Ah, pas du Dame Nature, c'est facile alors. T'as qu'à y habiter, ce sera chez toi. Et le puma est parti ravi. Et toi, l'homme, tu veux habiter où? Oh, ben, moi, j'aimerais bien une petite maison avec un petit champ autour. Et ben, d'accord, lui dit Dame Nature, t'as qu'à trouver une maison, un petit champ autour. Et toi, l'oiseau? L'oiseau, mille couleurs. L'oiseau? T'aurais vu cet oiseau? On aurait dit un arc-en-ciel volant, pour de vrai. Et où tu veux habiter? L'oiseau lui a dit, Dame Nature, j'aimerais là-haut. D'accord, lui a dit Dame Nature. Si tu veux habiter dans un arc-en-ciel, t'habites dans un arc-en-ciel, dans les cieux, c'est pour vous les volants. Et quand tout le monde a eu parlé, il en restait un seul qui lui disait rien. Dame Nature lui a dit, pourquoi tu causes pas, t'es timide ou quoi? Alors, si t'es pas timide, dis-moi pourquoi? Pourquoi tu causes pas? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas où je veux habiter. Comment ça, tu sais pas où tu veux habiter? Ben non, je sais pas. Moi, j'aime bien marcher, j'aime bien habiter ici, j'aime bien habiter là, revenir ici, repartir là-bas. Alors, Dame Nature lui a dit, mais t'as aussi le droit. Et pour ça, je te donne un pouvoir spécial. Et depuis ce jour-là, le caméléon, parce qu'il s'agit de lui, le caméléon, tu vois ce que c'est? Non? C'est comme une espèce de lézard qui aurait un peu bien grossi, un peu trop mangé, avec une tête rigolote et deux yeux sur le côté qui sont capables de voir partout, 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 partout. Et une langue suffisamment grande et qu'il arrive à choper une mouche qui est là-bas, à côté de toi. Imagine, le caméléon à quatre pattes avec sa queue en tire-bouchon, le caméléon. La Dame Nature lui a donné le pouvoir quand il est sur un arbre. D'être de la couleur du tronc de l'arbre. Mais s'il monte un peu plus haut sur la branche, elle lui a donné le pouvoir d'être vert, vert comme la feuille, s'il est sur la feuille. Oui. Et si, pour chasser, il va sur le rocher, elle lui a donné la possibilité de se
caché, alors qu'il est sur le rocher, parce qu'il devient couleur de rocher. Depuis ce temps-là, Dame Nature est toute reposée. Et cric, et crac, je mets mon histoire dans mon sac, mais si toi, tu veux une histoire, alors tu...